Bon matin mes petits Pikachu, c'est Demi Sadique et j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous êtes dans la forme et j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette petite vidéo détente blabla. Donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Haha, et là je viens de vous mettre le stress. Alors j'arrête YouTube. Non je rigole. Je rigole, ne paniquez pas, c'était une mauvaise blague. C'était une mauvaise blague. Ce n'est pas YouTube que je suis contrainte d'arrêter. Mika, arrête de pleurer, je sais que la nouvelle te rend triste, mais c'est pas le temps de pleurer. C'est pas YouTube que je suis contrainte d'arrêter, c'est Assassin's Creed 1 que je vais devoir malheureusement arrêter parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos, mais j'ai beaucoup de soucis avec Action et le jeu. Mika, arrête d'être triste. Donc du coup, j'avais dit que je prendrais la solution... XSplit, qui est mon logiciel qui me sert pour les lives, et après test, XSplit ne voit même pas le jeu. Donc là, je me retrouve un petit peu dans la merdouille. Donc du coup, ça me prend la tête, et que je ne suis pas là pour me prendre la tête. Vous le savez aussi bien que moi, vous êtes même plusieurs à me l'avoir dit. Ne te prends pas la tête, fais ce qui te plaît, fais ce que t'as envie. Donc pour le coup, c'est déjà fini. Merde. C'est Mika qui m'a déconcentré. Mais là, c'est bon. Ma maman est venue le chercher. Donc, du coup, je vais pouvoir bien me concentrer. Donc, voilà. Donc, ça commence un petit peu à me prendre la tête. À chaque fois que j'ouvre le jeu, ça me prend la tête et j'ai même pas commencé. Quand je tourne, je stresse. Je suis toujours en train de regarder le compteur pour voir s'il a pas, freeze. Et souvent, malheureusement, c'est le cas. Donc, du coup, je relance. Il y a des ellipses, et ça m'énerve. Bah, ça m'énerve pas en soi qu'il y ait une ellipse, parce que ça peut arriver dans une série qu'il y ait une ellipse. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y ait une ellipse parce que mon logiciel a planté. Vous voyez? Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer autre chose à la place. Vous étiez beaucoup qui aimaient Assassin's Creed. Assassin's Creed est aussi un jeu que j'aime beaucoup. Donc, ce que on pourrait essayer, si vous êtes d'accord, hein, donc je vais avoir besoin vraiment de votre avis dans les commentaires sur la question. Si vous êtes d'accord, on pourrait passer directement en deux. Parce qu'on m'a dit en plus que qu'on était capable de comprendre l'histoire du 1 avec le 2. Putain, j'arrive à tuer personne aujourd'hui. Alors qu'on serait pas vraiment perdu. Donc du coup, l'un n'empêche pas l'autre, comme on dit. Donc si vous êtes d'accord, on pourrait commencer directement en 2 en espérant que ça fonctionne. Le 2, je crois qu'il est un petit peu moins... Ben non, je crois pas. Il est moins vieux. Et le 2, je sais que j'ai déjà réussi à faire un live dessus une fois. Donc je sais que si jamais Action a des problèmes, XSplit, lui, devrait fonctionner. Donc, je me dis... Putain, il y a plein de gens, j'en tue pas un seul. Donc, je me dis que ça pourrait être une solution potable. Qu'on arrête le 1 pour passer au 2. Et autre option que je peux vous proposer, c'est que ben, on arrête tout simplement les Assassin's Creed déjà et on passe à autre chose. Ce qui n'exclut pas non plus qu'on vienne au Assassin's Creed plus tard. Hein. Ce serait vraiment une solution temporaire. Si on passe à d'autres choses, peut-être j'avais pensé faire le mode de histoire de GTA. Et j'assure vraiment pas aujourd'hui. Ah mais on est toujours avec le même, la Big Ben qui remporte tout là. C'est pas grave. Ouais, donc j'avais pensé vous faire dans un futur rapproché, parce que j'en ai envie, le mode histoire de GTA. Parce que GTA, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà fait quelques lives... multi dessus, et j'aurais envie de vous faire le solo également. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si on... arrête Assassin's Creed 1 pour aller à Assassin's Creed 2, si on arrête Assassin's Creed 1 pour aller vers du GTA, ou si vous avez d'autres idées de jeux qui pourraient être intéressantes dans les commentaires, n'hésitez pas à me les proposer également. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, il n'y aura probablement jamais... Bon, on m'a dit de jamais dire jamais, mais là je le dis. Il n'y aura probablement jamais de Pokémon et de Zelda sur la chaîne. Donc ça me sert à rien de me le demander. Pokémon, j'ai jamais joué, sincèrement, le jeu
ne m'attire pas plus qu'il faut. Donc oui, c'est un petit peu con en tant que représentatrice et reine du Pika-Peuple. J'aime Pikachu. J'ai aimé regarder les premières générations de Pokémon quand j'ai été jeune, mais je n'ai jamais accroché sur les jeux Pokémon. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faudra oublier sur la chaîne. Je risque pas de faire de jeu là-dessus. Ça risque de me prendre la tête plus que autre chose. Faire de jeu. Faire de let's play, pardonnez-moi. Donc, mis à part de ça, l'autre jeu qui sert à rien de me demander, parce que je l'ai déjà vu passer plusieurs fois. Zelda. Zelda. Il n'y aura non plus jamais de Zelda sur la chaîne. C'est pas un jeu que j'aime jouer. J'aime regarder du Zelda, j'aime le principe de Zelda, j'aime les personnages, mais je n'aime pas y jouer parce que je me prends la tête, je trouve ça difficile, je déteste les allers-retours, je déteste chercher, j'aime pas ça. Voilà. Donc, le seul Zelda que j'ai passé dans ma vie, ben, pas à 100%, mais que j'ai réussi le mode histoire au complet, c'est Ocarina of Time. Parce que c'est un classique, donc du coup je me suis dit allez je vais le faire et j'ai fait le trois quarts du jeu avec la solution de jeuxvideo.com. Donc vous voyez un petit peu ma patience via ce jeu et ma nullité aussi. Parce que même si c'était écrit en français, je ne comprenais pas ce que je devais faire. Donc et tourner en rond, c'est pas mon fort. Donc du coup, Pokémon et Zelda, c'est à proscrire. Tout ce qui est aussi RPG, style. Ben en fait, je pourrais même pas vous donner d'exemple, mais j'en ai pas. J'en ai pas, mais si vous voulez que je continue dans les jeux que vous ne verrez jamais sur la chaîne, qui va peut-être faire que vous allez vous désabonner, League of Legends, oubliez. World of Warcraft, on oublie. Final Fantasy, on oublie. Il y en a d'autres, il y en a sans doute d'autres, mais vite comme ça, je sais pas. Mais vous pouvez quand même faire des propositions, hein. C'est pas obligé d'être des jeux qui sont hyper connus non plus, hein. Je suis ouverte même au Nintendo. J'ai déjà fait. Ah, il est encore là, Big Ben. Putain, on est dans la merde ce soir, hein. Je suis ouverte aux jeux Nintendo. Sincèrement, côté monétisation, je m'en fiche un petit peu tant qu'on s'amuse sur le jeu. Donc, ça me dérange pas de faire du Nintendo. Il y avait eu quelques Mario Kart sur la chaîne. Il n'y avait pas eu de Super Smash Bros encore, mais c'est un détail. Il y a eu quelques Mario Kart, ça m'a bien plu, mais j'en ferai pas un let's play, vous voyez. Parce que. Ben, on a compris le principe après une ou deux vidéos, non, quoi. Mais ça peut rester des vidéos détente, un peu comme dans le style de QuakeCraft. J'aime bien faire du QuakeCraft quand j'ai une vidéo annonce ou blabla à vous faire, étant donné que j'ai pas trop besoin de me concentrer. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Donc c'est plus facile pour moi de plus me concentrer sur mes propos que lorsque je joue à un jeu où ce qu'il faut se concentrer plus, style un EHC. Un EHC, ça me demande quand même un petit peu de concentration. Pas que je connais pas les crafts, mais parce que j'ai peur. Voilà. Ça, j'ai moins peur. En plus, d'habitude, je me débrouille pas trop mal. Là, ce soir, ça veut pas. Ça a dit non. Tu vas avoir l'air nul. Ah, la Big Ben n'est pas là? Super, on va peut-être s'en sortir. On va voir. On va voir. Donc, du coup, j'ai complètement oublié. Oui, je vous parlais des possibles jeux. On a fait du Sonic, donc si vous avez un autre Sonic qui pourrait être bien à me proposer, pourquoi pas. Mais sinon, si vous n'avez pas d'idée de jeu, je resterai sur le Assassin's Creed 2 et GTA V. GTA V, n'oubliez pas, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo annonce, celui sur qui annonçait le live des Nuits de Crone. Il va avoir Minecraft Story Mode qui fera son apparition sur la chaîne prochainement. Et Life is Strange également qui fera son apparition sur la chaîne dans pas longtemps. Dans je pourrais pas vous dire quand. Purée! Les gens ils sont trop en fou ce soir. Qui va faire son apparition sur la chaîne prochainement. Je pourrais pas vous dire quand exactement, d'ici une semaine ou deux. Vous aurez 5 épisodes, peut-être pas tous les jours, mais vous aurez 5 épisodes de Life is Strange qui vont arriver sur la chaîne. Et ça, moi, je trouve ça superbe. Je trouve ça cool parce que j'ai commencé un petit peu le jeu et c'est un jeu que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite.
Sinon, même s'il y en a beaucoup moins sur la chaîne ces temps-ci, Harry Potter continue. Harry Potter continue. Je sais que là, ces temps-ci, il y a beaucoup de rediffusions de live, je m'en excuse. C'est un petit peu pour combler le trou Assassin's Creed. Et comme j'avais des problèmes d'action avec Assassin's Creed, ça me décourage un petit peu pour le reste des choses. Mais là, étant donné que j'ai découvert que le problème venait vraiment du jeu, ah bien, je vais reprendre Harry Potter. D'ailleurs, vous devriez en avoir un demain ou après-demain, je sais pas. N'oubliez pas également qu'il y a Resident Evil Revelation 1 qui continue en live tous les dimanches de 20h à 22h heure. Aïe, non, j'assure vraiment pas aujourd'hui, c'est un truc de fou. Heure française et de 14h à 16h heure québécoise. Putain, on est que 3 dans la partie. C'est nul. Voilà. Donc, si vous voulez passer, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Ça se passe sur gameview.fr. La description, le lien se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site afin de participer au chat. Et si jamais vous ne pouvez être présent, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont déçues parce que oh mais c'est un dimanche, on a cours le lendemain et tout. Malheureusement, je vais pas changer de jour et je vais pas changer d'heure non plus. Tout le monde fait leur live le samedi, donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde, donc je préfère vraiment mieux le dimanche. Et bah, pour moi, 20h c'est pas tôt, c'est pas tard. Voilà. Donc je vais Oh putain, non, mais je suis désolée, c'est nul comme partie là. Ah putain, non, mais je vais quitter la partie. Ah oui, faut que je fasse slash hub. Slash hub. Non, ça sert à rien de perdre mon temps avec une personne qui spawn presque kill. Là, j'ai oublié ce que je racontais. Ah oui, je disais que je ne changerais pas de journée. Donc, je vous invite si jamais. Ça ne vous convient pas, ou vous pouvez pas être là parce que vous avez des devoirs, vous devez aller dormir, ou vous avez autre chose. Il y a rediffusion. Il y a rediffusion sur la chaîne, normalement, quand ça plante pas. Jusque pour l'instant, il y en a toujours eu une. Ça, il n'y a jamais eu de problème. Donc, je vous invite également à voir la rediffusion. Ça reste quand même assez sympatoche. Donc, pour ceux qui seraient intéressés au jeu, qui connaissent pas le jeu ou autre, je trouve ça sympa. Moi, c'est un jeu qui me plaît bien. C'est une saga qui me plaît bien, Resident Evil. C'est mon petit coup de cœur à moi. Donc, je risque de tout vous les faire à un moment donné lorsque je vais avoir moins peur et que je vais devenir une grande adulte responsable, courageuse, qui prend ses responsabilités au sérieux. Mais pour l'instant. Quoi? Ah oui, oui, non, c'est. Non, je suis en train de me demander pourquoi il y avait des power-up maintenant, mais c'est que dans cette map en fait. C'est que dans cette map qu'il y a des power-up sur le haut des escaliers, là, c'est un peu étrange. Elle est trop grande, cette carte! Purée, je vois personne depuis tout à l'heure, là. Ok, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et sinon, il y a une série dont je vous ai pas parlé. Parce que là, je vois de plus en plus de questions à son sujet. Miss, quand sortira l'épisode 23 du bloc divin? Bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Je sais pas non plus qu'est-ce qu'on va y faire, parce que vous avez été plusieurs à me dire que la construction en vidéo, ça ne vous dérangeait pas. Donc du coup, on va y aller dans cette optique, mais peut-être pas tout vous faire en vidéo non plus, donc je dois attendre d'avoir pas mal de temps, exemple, pour vous faire, si on veut, une vidéo de une heure et demie, 2 heures, et vous la condenser ensuite pour que ça soit plus intéressant pour vous, parce que... voilà, ou sinon, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais on peut aussi le faire en live. Hein. On peut construire ensemble en live, ça peut être sympatoche. Donc là, ça serait 2 heures, plain, parce que je peux pas faire d'ellipse en live, parce que je ne peux pas mettre le temps sur pause. Ce serait cool quand même. Hein. Donc on peut y aller comme ça aussi, mais sinon l'épisode 23 sortira bientôt. Je ne vais pas vous donner de date, de jour exactement. Je préfère voir comment ça va avec Life is Strange, avec Minecraft Story Mode.
Je priorise quand j'ai du temps, je priorise ça parce que bah, ça aussi c'est long. Étant donné que vous avez voté sur Twitter pour avoir un épisode par chapitre pour Life is Strange et pour Minecraft Story Mode, c'est quand même une moyenne de 2 heures par chapitre. Donc je dois quand même y penser lorsque je commence à tourner un de ces épisodes. Donc je priorise vraiment ça en ce moment avant le bloc divin. Mais une fois que ces gros épisodes seront tournés, là, je vais pouvoir me concentrer plus sur cette série Minecraft. Et on n'assure vraiment pas aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était un autre épisode de ma série que j'appelle Miss Parle Trop parce que j'ai vraiment l'impression d'être nulle dans ces vidéos parce que je fais que vous raconter ma vie et je suis que vous vous en battez les couilles de toute façon. Non, je rigole. Je rigole. Donc, bah regardez, étant donné que je suis nulle aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Dans le fond, l'information importante à retenir, c'est la fin d'Assassin's Creed. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez pour le remplacer. Donc, disons que les choix, c'est Assassin's Creed 2, GTA V mode histoire, solo et autres. Autres que ça serait sympa de préciser, pas juste répondre autres dans les commentaires. Sinon, ça ne m'avance pas du tout. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Attendez, on va se mettre en F5. Voilà, en F1. Waouh, on est trop, trop beau. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis changé de lobby. J'ai pas signé pour ça. Ok. Bon, on est passé en Mega Wall, c'est superbe. Donc j'espère que cette petite vidéo blabla, mise à jour, mise au point, Miss Parle Trop, appelez-la comme vous voulez, vous aura fait plaisir, vous aura éclairé sur certains points. S'il y a des points que j'ai oubliés aussi, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. J'y répondrai une prochaine fois. Et sur ce, bah, faites attention à vous et profitez. Avant que l'hiver arrive. Bisous, bisous!